Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On fait une amulette du cœur saignant. Alors pour vous mettre un peu le contexte, il m'en faut deux. Il m'en faut une en exo dommage distance pour PVM et une en exo dommage mêlée pour PVP. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer donc de viser le full perf. Je pense que le plus simple, c'est quand même de trans. Hein. Si on a du pion, on essaiera de passer la ruine avec un succès neutre, hein, mais là, on peut tout à fait partir dans l'optique d'avoir juste un full perf et de trans. Ce que je vais faire, c'est que je ne mettrai une trans que si j'ai le full perf, et je mettrai la trans pour PVP si j'ai pas le perf prospection, et pour PVM si j'ai le perf prospection. Parce que j'aimerais bien, pour celle de PVM, d'avoir j'ai perf et la prospection à 15 également. Voilà, un peu pour vous mettre le contexte. Donc là, déjà, on a une très très bonne congruence sur cette première tenta à 97 depuis. Ça, franchement, ça fait hyper plaisir. On va pouvoir avoir le full perf, hein, tout simplement. Donc, on est parti. On va commencer par la force. Moins 20. On a 4 à récup. On va y aller sur la fuite. Dommage, j'aurais bien aimé. Oh, quoique, je peux même y aller à la prospection, en vrai. Ouais. Hop. Je pense que c'est ok comme ça. On va mettre une petite ruinée. Voilà, c'est très bien. Allez, la vita qui était en sous-G, moins 10. Bon, la sagesse risque d'être un peu technique. Mais en vrai, j'ai encore pas mal de puits en rab. Donc, il y a peut-être moyen que ça le fasse. Allez, moins 12 ici. Ok, c'est ok, moins 25. On a 30 de puits pour passer 3 passas. Faut que ça se passe bien. Aïe, 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 les amis, coup dur pour le joueur français, on a 47 de sagesse. Ah, il nous manquait le petit succès neutre là. Moins 30 les deux au lieu de 25. J'ai mal compté les deux, on me dit? Non, non. J'ai compté moins 12 après le Dokri. J'ai fait le... Mon moins 12, c'est le retrait PM plus le Dokri, j'ai mis moins 12 et après j'en ai eu 5 et ça me fait moins 25. Ah, ne me déconcentrez pas, s'il vous plaît. Bon, on va mettre le PA, je pense. C'est dommage, j'en avais le perf PP en plus, ça faisait plaisir. Ou alors je tente le crit maintenant. Je vais tenter le PA. Et j'essaierai de remettre la passa après. Ok, on a le PA. Est-ce qu'on a la passa? Parce qu'à la limite, la passa, elle peut encore casser le PA. Ouais, non, c'est chaud. Là, tout ce que je peux essayer de faire, c'est de la bourriner en espérant que je puisse tenter des grosses runes et que le PA tombe comme ça. Ok, c'est mort. Tant pis, on continue. 98 depuis là-dessus. Bon, j'ai deux options. Soit je vais chercher le 440 Vita, mais j'enlève l'over après comme je peux, mais j'ai pas grand-chose à faire avec ça. Soit je tente la pavie. Je vais faire ça, je pense, pavie. Ok, ça passe. Moins 3, une tour à vie. Moins 10. Et c'est là qu'il me faut absolument un moins 5 et surtout pas un moins 6. Bon. On verra ce qu'on fait. On va déjà essayer de gérer quand même la fin du G, mais je suis un peu saoulé. Hop. Hop. Petite rune fuite. Ouais, ça régale pas du tout ça. Moins 6. Moins 14. Allez, les repères qui crit. Do crit qui passe. Moins 5. Le tacle. Moins 4. Prospection qui crit. Allez, la sagesse, là, il me faut. Ok, j'ai du crit. Là, j'ai eu moins 18 pour l'instant. Encore moins 18. Je me retrouve avec ça. Pas de PA. 96 depuis. Il nous faut une pavie pour pouvoir avoir une chance d'avoir un perf Vita. C'est un peu chaud à passer. Moins 12. J'avais pas le choix. Hein. Sinon j'étais bloqué à une Vita non perf. Et vraiment, comme c'est pour trans sur puits PA, il faut vraiment que je tryhard le perf par contre. On va pas abuser. Faudra un moins 6, ok, je peux encore avoir une chance d'avoir le perf là, il me faut du moins 6 en blinde, allez, il me faut un moins 5, un moins 6. Allez, un moins 5 maintenant. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Accessoirement, là j'avais un 4 Vita, j'ai eu des bribes, donc là j'ai plus 1 de puits, hein, si je compte le 4 Vita que j'avais ici. Ça c'est le beau jeu, hein, franchement, GG à tous. On va pas faux. Voilà, moins 6, et ça régale. Et on pourra pas me dire que c'est pas du tryhard de GPerf, là, je suis désolé, c'est du beau jeu, voilà, c'est indéniable.
Alors par contre, la sagesse, ça va être compliqué. On va faire genre qu'on ne voit pas le problème et on va le regarder à la fin. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Moins 3, hop. Allez, tac, tac. Ouais. Non mais forcément, si je crit les runes, après j'ai plus de puits en fait. Ça, c'est une astuce. Moins 7. Alors on a 29 de puits. On a 4 passés à passer. Je crois qu'on a un problème mathématique. Oh, sauf si on full crit, évidemment. En vrai, là, si je full succès neutre, ça passe. Ah, c'est pas de chance. Ah, il me faut un succès crit, un succès neutre. Non! Bon, tant pis. J'ai vraiment tryhard, hein, là, on pourra pas dire que c'est pas du beau jeu. Je donne tout, hein. On continue, c'est pas grave, c'est que le début. 92 de puits. Alors, on est ravis. 21. Je peux tenter ça. Il me faut un... Ok. Maintenant, je vais tenter. Il me faut du moins 6. Ah, putain, dommage. Évidemment. On va ravi. Eh oui. Eh oui, les amis. On va juste y retourner, en fait. Regardez. Le beau jeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? Je suis juste le plus gros tryharder de GPerf du jeu, mais prouvez-moi le contraire en fait. Mais juste trouvez-moi un mec qui tryhard plus les GPerf que moi. Et montrez-moi, je vous dirai ok. J'en ai jamais vu en fait. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Non mais faut dire les choses au bout d'un moment. Hein. Je ne compte pas le puits. J'ai le goût du risque. Je pense que ça va bien se passer. Bon, c'est du beau jeu. On est là pour le beau jeu avant tout. Le reste, OSEF. Allez, on y retourne. 91 de puits. Bon, la vita, va falloir la gérer. Moins 20. Il me faut du moins 6 à tout prix. Il me faut du moins 6, les amis. Oui, yes. Let's go, en fait. Ensuite, donc là, on a déjà plus 0,3. Moins 0,5. C'est beau, ça. C'est ce qu'on veut, ça. C'est nickel, ça. Hop. Tac. Tac. Moins 12. Tac. Tac. Moins 14. Oula, on a plus de puits, là. Qu'est-ce qui se passe? Moins 5. Ah, la boulette, 9 de puits. Pas ça qui ne passe pas. Le PA qui ne passe pas. La fin du monde, évidemment. C'est pas de chance. Petit bonus. Bon, on a ici une Saintouze, moins 1 Vita, moins 1 Sagesse, moins 1 Retrait PA, et moins 2 Dos Neutres, mais sachant que moi j'en ai besoin d'une sans Dos Neutres et sans Retrait PA pour jouer sur mon Ouginak, mais malheureusement 39 Sagesse c'est quand même chaud pour jouer en PvP sur un Érodeur. On va donc tenter, les amis, le cri de Sagesse, et si la Sagesse passe... On va déjà mettre le cri de sagesse. Le proprio de l'item voudrait mettre un PA, mais je pense que si la sagesse passe, je lui rachèterai probablement. Allez, c'est parti. Il faut tenter le cri de sagesse, les amis. On y croit. Ça peut arriver à tout moment. Ah, j'ai du mal à cliquer. En vrai, on peut. Ouais, bon, là, c'est mort. Hein. Bah, écoutez, si ça avait pu taper dans le retrait PA ou dans les dos neutres, éventuellement, ça aurait pu être encore intéressant. Ça se tentait, tant pis. Ah oui, bah du coup PA, évidemment. Du coup PA. Pas de chance. Petit bonus. Tenta PO sur un casque Volcorn. G réalisé en brisage PA. Gros G. Hein. On n'est pas sur. On peut pas appeler ça du near perf à cause de la sagesse. Mais bon, c'est quand même un item sans puits avec des grosses lignes. C'est quand même un G très très lourd. Est-ce qu'on a le PO là-dessus, les amis? Pas de PO. 99 de puits. C'est le premier PPA qui va pouvoir se tenter à la Rasa. Hein. Jusqu'avant, j'avais des mauvaises congruences. Et là, on va pouvoir terminer par un Rasa. Ça régale. Donc, c'est le feu. Il faut qu'on gère la Vita. Hein. C'est évidemment le plus problématique ici. Alors, déjà, on se fait défoncer le puits. Ça régale. Bon, il me faut 2-6. Et je peux d'ailleurs y aller à la rune innée. Ah, mais non, mais même pas. Je vais y aller à la rune innée. Comme ça, on pourra encore marabouter s'il faut. On va juste mettre de la grosse rune INI. Il me faut 2-6 et 3-5 pour avoir le perf vita. Oui. Oui. C'est le moment. C'est le moment de me sortir du moins 6.
Alors, c'est un peu compliqué. On va mettre des runinés et on va espérer qu'il se passe des dingueries. Voilà, on me dit pod. Pourquoi pod? Ça va me dégager 25 guilini. Non, je vais guiner en vrai. Il est possible que la runinée me fasse moins 10 dini et moins 1 de vita. Il peut se passer un bail comme ça. C'est complètement possible. Ou sinon, je peux tenter un truc qui pèse 3 et espérer que ça me fasse moins 1 de vita en plus. Genre une rune prosp. Je vais tenter la prosp, les amis. Ça peut me faire moins 30 dini, moins 1 vita. C'est possible. C'est très peu probable, mais c'est possible. Alors, le crit est possible aussi. Alors, non mais au bout d'un moment, le but c'est quand même d'enlever l'exo, donc s'il vous plaît, un peu de bonne volonté. Bon. Non mais bon, si vous voulez. Oui. Pas de chance. Non mais bon, voilà. Si vous voulez. Non mais pour que je vais là, il me fallait un moins 5 là. Mais c'est pas possible en fait. Et là par contre il fallait que je mette de l'ini du coup. Oh putain, je suis un bolos. Bon, on pourra pas nier que j'essaye d'avoir du full perf. Enfin vraiment là, bonne volonté, oui. Réussite, moyen. Non mais je vais faire ça toute la nuit, il n'y a aucun souci. Allez, on va balancer des runes comme un teubé. Là j'ai 21. Il me faut. En vrai, l'attaque elle me fait moins 21 entre nous. Pourquoi à chaque fois que je veux baisser mon over, ça crit? C'est quand même pas de chance, hein. Est-ce que je tente la prosp? Au pot où on en est. Ok, là il me faut. Alors je vais ini. Il me faut un moins 6. Mais. J'ai pas de chance, hein. Je vais ravi, j'en ai rien à foutre, hein. On va faire ça toute la nuit. Je sais pas comment j'ai encore du puits, j'en ai aucune idée, je ne compte plus si vous voulez. Je fais confiance à la vie, hein, on en est là. Je veux un moins 6. Donnez-moi un moins 6 en fait, si vous voulez. Mais... C'est pas cool. Et non. Ah là là. Coup dur pour le joueur français. Là, c'est technique. Mais pourquoi j'ai encore. Comment c'est possible que j'ai encore du puits? Je ne comprends pas. J'en ai aucune idée. 46. Je pourrais tenter double pas faux en vrai. Je vais faire ça, je pense. Ouais. Bon, on va faire le mec très simple. On va juste mettre un repère. Repère neutre, on va faire moins 30. Et j'ai moins 31. Non mais. Ça crit évidemment. Bon, allez, on va mettre un PA. Voilà. Allez, on oublie tout. On avorte le projet. Tout va bien. Tout va très bien. Il n'y a aucun problème. Bon, j'ai voulu forcer la chute du P avec une Rasa parce que j'avais une Vita qui m'arrangeait. Évidemment, la Vita se fait défoncer, la Rasa passe pas, donc bah, j'ai plus de puits et j'ai une Vita dégueu, donc bah, ça régale. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est que ça, déjà, ça passe. Voilà, moins 30, bah super. Et là, il me faut un moins 6. Oh, c'est pas de chance. Bon, bah, on va commencer. On va refaire l'apprenti sorcier avec nos exoïdes. Hein. Non, mais c'est parti, en fait, il n'y a aucun souci. Voilà. Et là. Là, il nous faut une runini, par exemple. Une runinée. Va mettre ça. Ok, c'était peut-être pas... c'était peut-être pas le meilleur call. Je reconnais que c'était pas forcément la meilleure rune à passer. Non, mais je l'avoue, hein, volontiers.
Alors là, par contre, je suis dans une sauce ultime. On va faire comme ça. J'ai quoi à monter là? En vrai, pas grand-chose. On va mettre ça. Non, mais on se régale, il n'y a aucun souci. Alors là, il me faudrait du moins 11. Regardez, on va mettre de l'iné. De l'iné. Alors non. C'était pas le projet en fait. Oui. Allez, il me faut un moins 6, please. On va mettre une tacle et il faut qu'on ait moins 4 intel, moins 1 vita. Pas de chance. Oui. Et voilà! Et oui! Et oui, les amis, c'est si beau! Et en plus, il nous reste plein de puits, donc vraiment. Alors, vraiment, ça régale, parce que comme on a plein de puits, du coup, on va pouvoir finir le FM. Oh! Oh, bah, c'est pas de chance! Non, mais si vous voulez, si vous voulez, moi j'ai mon père Vita, le reste, OZEF, rien n'a secoué! 95 de puits, on peut avoir un full perf, c'est parti, il faudrait que la Vita troll pas, ok, le crit. Faut absolument un moins 5. Nice. J'ai presque envie d'aller chercher les 70 de force. Est-ce que je monte à 70 ou est-ce que j'over? Je vais essayer d'aller chercher les 70. Je fais rarement comme ça, mais j'ai envie de test. Oui, ça a l'air assez opti, effectivement. Bah c'est pas dégueu comme j'ai en vrai ça. Moins 5. Moins 10. Bon les amis, c'est la première de la soirée mais... J'ai 21 pour passer 4 de prospection. On va d'abord remettre le PA. Et si on a le PA qui passe, on tentera la prospection en max ensuite. Allez. Ce serait cool. Alors je disais, en ce moment, j'ai eu très très peu de luck sur la forge de magie. J'espère que je vais avoir un peu de réussite. Et non. 99 de puits. Bon. La sagesse qui troll, évidemment. On va y aller à l'ini. Oh putain. On va faire comme ça. Un 19. Petit repère qui récup. Hop, le tacle. Cinquante et un de puits restant. Là, je parle plutôt dans une optique de match distance hein, pour PVM, en vrai. 51, c'est quoi? C'est deux tentatives de prospection. Et 3 runes d'Operdi. Je me ferme pas à l'idée d'avoir peut-être un 2% qui sort. Ça n'y ressemble pas, mais. Pas de chance. Bon, j'ai essayé de déclencher la perte du PA à la Rasa un peu avant, malheureusement, ça n'est pas, ça n'a pas conclu. Et bon, bah là, j'ai des congruences de merde. On va mettre une padoneute directe en mode alpha. Hop. Le problème, c'est la vitale. Hein. On va être à vie. 32.
Parfait. Tac tac. En vrai, c'est pas trop mal. Moins 10. Il y a peut-être moyen d'avoir un truc correct quand même. Mettre le crit maintenant. Moins 10 à nouveau. Tac. 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 Moins 10. Moins 14. Moins 10. Reste 20. Pas de PA. J'aurais mis la PPA après sinon. Oui. Bon là j'ai les congruences parfaites. J'ai forcément le perf en termes de congruence. Il faut juste que j'ai assez de puits et que ça repasse à la fin. Moins 20. Triple pod. Hop. Plus 0,3. Lover force. Moins 17,5. Les 3, allez, on va les récupérer à la PP, on va pas faire le fragile. Voilà. Je pourrais me dire la PP, je la remets qu'à la fin s'il me reste du puits, mais bon, là, quand même, ça aurait été dommage de pas les prendre. Moins 10. Moins 10. Écoutez, il faut que la sagesse passe. Et non! 99 de puits, on est pas mal là, même cas de figure que précédemment. Faut juste qu'on ait assez de puits, mais les congruences sont parfaites. Les pods. Hop, petite papode. Oh, qui passe, ça c'est bien, ça me fait récup du puits. Nice. Allez, l'over force. Non. J'ai moins 12,5 du coup. Alors j'ai mon tacle malheureusement, on va mettre ça comme ça. Ok. Moins 7. On finira par l'avoir notre jet les amis, n'ayez pas peur. Moins 20. D'accord. Donc ça c'est la vie que je mérite, très bien. Magnifique Tanta les amis. Là c'est vraiment très très beau. Regardez. Hop. Petite rune pod. Tac. Moins 10. Oh, c'est si beau. Allez, la fuite. On récup. Le crit qui crit. C'est magnifique, hein. Vraiment là c'est maintenant ou jamais. Moins 4. Moins 12. Il me reste 51. Faut vraiment qu'elle passe à travers ça. Oui! Enfin! Je l'ai mérité quand même. Hein. Allez, on va double prosp. On va faire les choses bien là. Une, deux. Bah super. Et on a 3 tentats de match distance. Bon. Super. Si le PA passe, je transe là-dessus, c'est plié. Ça me ferait du bien parce que je commence à en avoir marre de rien repasser depuis 10 000 ans. Oh, pas de chance. Bonne grosse tenta de merde, j'ai défoncé du puits en plus. Ça passe sur de la prosp, c'est de la merde. Hop, 36, c'est quoi 36? 36, c'est ça. C'est ça. Et ça. Ah. Alors mince. Une chance. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Absolument rien. Hop, 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 hop. Pensez qu'on a plus de chances d'avoir des bons jets si on met des runes chance au lieu des runes intel. C'est possible, hein, tout est possible. Petit rachat. Ah. Bah forcément, hein, si vous voulez, forcément ça repasse là-dessus en fait. Bon bah il faut juste crit un dos neutre. Un dos neutre dans une vie c'est quoi? Ah. Ah c'est vraiment unlucky. Hein. Bon bah on continue. On peut théoriquement choper le perf. Mais je suis un peu inquiet plus par rapport au puits là pour le coup.
Et il me faudra un petit moins 6. Tant pis. Moins 9. Hop. Hop, moins 9 encore. Moins 14. Et voilà. C'est un taprosp. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un peu moche en vrai. Hein. J'ai pas envie de trans sur un G qui est pas perf en fait. Mais j'ai pas non plus envie de me péter les nerfs à passer encore 10 000 ans sur un item de mort. Du coup, je suis un peu dans l'expectative. Soit trans, soit tenter genre maintenant d'operdi, vous voyez, et comme ça, avec un peu de chance, ça casse le PA et j'ai plein de tentas. et oui, les amis, et oui, tout ça parce que j'ai pas eu le moins 6 à la vita là. Pourquoi je me tape du moins 5 tout le temps quand il faut pas? Bon, je prends 2 secondes pour réfléchir et je vous retrouve quand j'ai fait mon choix. Bon. J'ai fait un sondage. Le chat a voté rune trans. Donc je pense que ça va partir en rune trans. Mais, parce qu'il y a un mais, on sort d'un week-end plus 50% XP métier. Et en plus de ça, il y a eu la nouvelle interface de FM. Je pense que c'est deux choses combinées plus les vacances de Noël. Qui fait que le prix des runes a explosé et la rune trans elle est à 4 millions au lieu de 1 million. Donc je vais le garder pour trans, mais je vais pas trans tout de suite en fait parce que j'ai pas envie de perdre 3 millions comme un con. Donc je vais attendre que le prix des runes redescende un petit peu, mais là c'est juste abusé. Donc voilà, du coup fin de la vidéo, et puis je transerai à l'occasion, mais ça va partir en trans du coup, dommage distance pour PVM. J'aurais bien aimé avoir un G à 400 vita pour trans, ça me fait un peu chier de trans là-dessus, mais d'un autre côté, j'ai regardé un peu les HDV, et je pense que comme ça, en trans dommage distance, ça pourra se revendre très très bien, donc à la limite, je pourrais toujours retryhard un G 400 vita, et puis j'aurais pas, enfin je pourrais revendre celui-là très facilement, donc voilà. Voilà le call, on s'arrête donc ici, j'espère que ça vous a plu, comme d'hab, hein, si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.